Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, vous m'excusez de ma tête, je ne ressemble strictement à rien aujourd'hui. Mais comment vous dire que je suis un peu malade, je suis morte. Bon, passons, c'est pas l'idée de cette vidéo, donc j'arrive un peu tard, mais bon, fallait que j'attende que le match de Rodez soit passé pour pouvoir faire cette vidéo donc de ces deux matchs. Donc, face à Montpellier, je n'ai plus la date. Et face à Rodez, donc Rodez qu'on a rencontré donc deux fois d'affilée, j'ai pas fait de vidéo pour la Coupe de France. J'en fais une pour le championnat, par contre, comme d'habitude, comme d'habitude, tout simplement. Et voilà, donc c'est des beaux matchs en d'une façon générale très beaux. Rodez, une première mi-temps exceptionnelle, les filles ont poussé, elles ont. Bon, faut dire qu'il y a une très grande Laetitia Philippe en face qui a arrêté beaucoup de ballons. Les filles de Rodez ont réussi à faire quelques contre-attaques, bien arrêtées par la défense et notamment aussi par Sarah Boisdi. Voilà, très très beau match. Bon, deuxième mi-temps un peu plus mitigé, quelques buts. Bon, sinon très très beau match. Pour Montpellier, ben, un match un peu dans la, on va dire, dans la gadoue. Demandez, vous avez pu, je pense, toutes observer les posts sur Instagram d'Amel, de toutes les filles l'ont mis. On voit les photos où elles sont pleines de boue parce que le terrain était presque limite impraticable. Moi, j'aurais jamais voulu jouer là-dessus. Je parle notamment gardienne, Sarah, qui a pas forcément beaucoup plongé, ça allait, mais quand vous voyez l'état de la tenue de Casey Murphy, ça faisait peur. Mais vraiment, ça faisait vraiment, vraiment très peur. Mais bon, c'est des conditions, c'est le foot, c'est les risques, on va dire. Voilà. Le match était très, très beau. Rien à dire. Montpellier gagné 5-0, bah, ça nous rappelle l'année dernière. On avait déjà gagné 5-0 chez elle à l'aller. Bon, là, c'est 5-0 chez elle au retour. Mais ça rappelle et ça fait toujours plaisir de les voir gagner, surtout face à Montpellier. Après le match de l'aller un peu décevant de 1, même si elles avaient gagné, on s'était pris le premier but de la saison. Voilà. C'était pas un super résultat. Mais malgré ça, là, elles nous font un 5-0 retour et là, elles nous font super plaisir. Ça fait plaisir de gagner face à Montpellier. Et la course au titre continue, même si je pense qu'on est toujours en bonne voie. Le PSG toujours à 2 points derrière nous. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse avec toutes les vidéos des buts. Tous les buts, tout simplement. Je vais voir pour vous laisser les occasions. On verra selon la longueur de la vidéo. Voilà, voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Profitez bien de vos amis, de vos proches pour cette nouvelle année. Je vous souhaite une très très bonne année. Parce que je ne sais plus si je l'ai faite dans les vidéos précédentes. Et je vous dis à très bientôt.